Allez Bourguignon, nous concocter un bon petit bœuf, comme on dit dans le jargon musical. C'est parti pour ce show derby au Colisée entre deux équipes au coude à coude en championnat. Chalon est opposé à Dijon et l'élan. Un premier ballon. Nikolic. Et le premier shoot réussi au poste. Le shoot de Devontae Harper est donc en position d'ailier, comme vous avez pu le constater. À 2 points, à 3 points. Enfin voilà, ça rentre. Bien, ce sont les premiers points inscrits. Alors, Leighton Avant, la recrue. Houston. Avec Eto'o pour Nikolic. À 3 points. Voilà, lui aussi, il déclenche. Il marque ses 3 premières unités dans cette rencontre. Même nationalité que Grégor Rovat, donc le grand absent de cette rencontre. Et ça, c'est côté Dijon. David Alston. Alain Gay, Cameron Hunt, encore... Oh là là, c'est énorme. C'est énorme, quel début. Il faut être vigilant face à lui. La belle passe. À 3 points, encore. Oh, 3 sur 3 3 sur 3 pour démarrer en championnat. Pour un monde, c'est sensationnel. Oui, ça passe. Démonter Harper, pardon. Et donc, Baptiste, il y a du rythme, il y a une belle ambiance. On se régale plutôt pour l'instant dans ce derby bourguignon. Chikoko, bien ressorti. Onyangé, oui, parfait. Et puis Bourg-en-Bresse-Nancy et Asvel-Nanterre. Jean Chalon qui n'était pas loin de pouvoir jouer la Leaders Cup, ça s'est joué à pas grand chose. River, oh la belle passe pour Chikoko, tranquille. Et attention, attention parce qu'ils sont en train de reprendre une belle avance là, Dijon. 11 points maintenant d'avance. Godou, on retrouve ici, ange de l'autre côté, Dirk Williams, à 3 points, c'est dedans, ça va faire du bien au Chalonnais. Et... Robin du côté, à 3 points, oh là là, ils sont chauds, ils sont très très chauds, danse. Dirk Williams, Godou, belle passe, oh la belle passe, oh, c'est dommage, c'est pas validé. Par Mathias Markusson. Alston. Oh, c'est beau! Il y aura en plus la faute! Oh, il n'a pas voulu le smasher, le claquer ce ballon! Chikoko. Qu'est-ce que lui est en train de préparer les Chalonnais qui sont dépassés par Dijon. Ah, voilà, voilà la réponse! Antoine Eto'o, peut-être la révolte! Donné. Kenny Baptiste en défense. Allez, il revient sur de Kenny Baptiste. Chalon qui revient à 8 points à présent. Ouh là là, la perte de balle d'Amad Kaiper. On parlait tout à l'heure de... Oh là là, derrière c'est à 3 points. Il est sanctionné immédiatement. Oh, le dunk, Kenny. De la part de Lionel Godou. Et 16 points de retard pour finalement gagner contre les Alsaciens sur le parquet, hein, sur le parquet de Strasbourg Aurelius. Assez raté de la part de Devontae Harper, mais en perte de balle pour Dijon. Et encore, oh c'est énorme, le alley-oop, Antoine Eto'o pour Kenny Baptiste. Il revient à un point. Antoine Eto'o. Oh la passe laser pour Godou, qui a fait une superbe entrée tout à l'heure dans le deuxième carton, le contre. Alain Gay derrière à 3 points, c'est raté au buzzer. Le pourcentage est au-delà de 50% pour Chalon. Bien fait, Pouliot avec la planche, à l'accélération. Deux points réussis.
Cameron. Il est passé tout seul à 3 points d'Herc Williams. C'est dedans. Appel passe de Nikolic. Oh, le contre d'Alain Gay. River avec Chikoko. Chikoko qui ressort pour Holston, la feinte. Il ressort lui aussi pour Onyangé. Oh, superbe! Superbe travail d'équipe et la finition d'Onyangé pour redonner 7 points d'avance au Dijonais. Antoine est chaud. Ah, il est chaud quand même aujourd'hui. Dans un bon jour. Ah, belle passe. Oh, la belle passe pour Chikoko. Ah, il s'est totalement fait avoir là, Herc Williams. Oh, il est loin. Mais il faut. Oh, oui! Il fallait le tenter au buzzer. C'est Herc Williams qui met ce panier extra longue distance. Énorme, énorme. Quel shoot. Le shoot à 1000 euros. Léon Chalot et le... Beurre. Williams. Oh là 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 là. Troisième qui met en espace de 4 ou 5 minutes. Caver. Caver est passé pour Chikoko. Oh, qui vient de claquer un dunk. Oh là 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 là. Mais plus le match avance, plus le match est beau, intéressant, intense. Même le 11e meilleur marqueur de la saison. Il en est à 3 points seulement dans ce match aujourd'hui. Oh là là, Herc Williams. Oh là 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 là. Herc Williams qui continue sur sa lancée et qui met un nouveau panier à 3 points. Caver. Caver qui passe. Oh, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Et pourtant, il réussit ce shoot un peu casse-croûte. Ah oui, il l'a mis par terre. Oh, et derrière en plus, il met 3 points. Oh là, quelle fin de match, Holston. Une 25 à jouer et 8 points d'avance quand même pour Dijon. Au scoré, pour Chalon et vite. Et tôt, oh, il est loin, ça lui fait pas peur. Oh non, ça lui fait pas peur. Comme tout à l'heure, un peu moins loin tout à l'heure, au buzzer. Chalon, 5 secondes à jouer. Allez, voilà, c'est terminé. La dernière possession sans doute avec Nikolic. Il prend sa chance. C'est raté, on va en rester là. La victoire de Dijon. Il reste un gros coup en venant s'imposer chez son ennemi avec des guillemets Bourguignon. La première victoire d'ailleurs également de Laurent Le Niam à l'extérieur depuis qu'il est revenu aux affaires.